Dès 17h, la cité impériale se met à l'heure de la Coupe du Monde. Bar bondé, la confiance est de mise. 2-1 pour la France. Et allez la France. Nous, on est fiers d'être français. Il faut être fier d'être français, c'est important. Pour autant, les Bleus sont loin de n'avoir que des supporters. On est un peu identitaire, on n'a pas envie de voir la France s'imposer aujourd'hui et encore moins au fraîcher de les voir gagner chez nous. L'ambiance commencera à décoller avec le premier but français. Très heureux, très très heureux de ce but qui arrive très vite, donc on espère qu'on va tenir le score. Quant à l'égalisation croate, elle sera aussi accueillie par quelques clameurs. Avec le pénalty transformé par Antoine Griezmann, c'est le soulagement. Le troisième but en début de première mi-temps sonnera comme une délivrance. Et ça a été un festival de buts ce soir. Score final 4-2 pour l'équipe de France. Les Bleus l'ont fait. Ça y est, pour la deuxième fois de l'histoire, ils sont champions du monde. L'ambiance promet d'être très animée ce soir ici dans les rues d'Ajaccio.